chargé d'exécuter la politique du gouvernement en matière de développement et de promotion des sports, l'ONAGES a pour principale mission d'appuyer financièrement et matériellement les fédérations sportives tchadiennes. Dans les faits, il accorde une attention toute particulière à l'équipe nationale de football. Nous avons appuyé toutes les fédérations. Il y a 19 fédérations, nous avons appuyé 16 fédérations nationales qui sont sorties en compétition nationale et internationale, dont le football. Le football a pris la grosse part de notre financement cette année. Donc, si vous voyez aujourd'hui, le football est arrivé à ce niveau, se qualifier pour la poule, ça veut dire que c'est avec l'effort de l'ONAGES. Tous les matchs que les SAO font, c'est l'ONAGES. Les déplacements, les hôtels, les arbitres, les véhicules loués aux arbitres, l'entraîneur que vous voyez, tout ce mouvement, c'est l'ONAGES. Pourquoi le football qui bénéficie de tant de moyens a du mal à décoller? L'ONAGES a-t-il failli dans sa mission? Cadre Saleh Kana, qui rejette toute responsabilité, fait une autre lecture. En fait, l'ONAGES n'a pas de part de responsabilité. La première des choses, vous savez, les matchs, ça se prépare. Et c'est, il y a 3 ans que nous ne participons pas aux compétitions. Nous sommes suspendus et nous avons repris que 2 mois et la FIFA a changé de calendrier. Au lieu d'attendre, le temps est court, il y a beaucoup de compétitions. La FIFA nous a demandé de jouer directement les éliminatoires. Donc, c'est brusque. Donc, l'ONAGES a mis les moyens à la disposition des fédérations pour leur dire, bon, faites appel aux joueurs tchadiens à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur pour qu'on puisse quand même participer. Participer, c'est très important. Si le Tchad ne participe pas, ça veut dire qu'on attend encore 4 ans. En tant qu'organe qui ne s'occupe que du volet financier et matériel, l'ONAGES n'est pas directement impliqué dans l'élaboration et la conception des politiques de développement du football. Dans la suite de ce dossier, c'est la Fédération tchadienne de football association qui sera sollicitée.